Il s'agit tout simplement de l'ail. Il y a 3000 ans, on est du côté des pyramides d'Égypte, sous Ramsès III, et vous avez pour la première fois dans l'histoire des hommes qui font la grève, les constructeurs des pyramides. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on leur enlève leur salaire. Et le salaire à l'époque, c'était l'ail. Pour la première fois, ils n'arrivent pas par bateau, ils décident d'arrêter les travaux et de stopper le montage de la pyramide. Il y a plusieurs siècles, il était très commun pour savoir si une femme était capable d'enfanter, de lui disposer discrètement une petite gousse d'ail dans son intimité, et si le matin, au réveil, elle avait la laine plutôt chargée, c'est que ses trompes étaient en bonne santé et qu'elle était apte à enfanter. Quand on retourne dans les grands livres d'histoire et de médecine, on trouve par exemple qu'on mettait des gousses d'ail en suppositoire aux enfants pour éviter certaines maladies. On sait aussi qu'on leur mettait des colliers avec de l'ail pour leur empêcher d'avoir le mauvais œil. Et puis, dans les cales des navires, on retrouvait cette ail pour éviter les tempêtes et les monstres marins. Pour imiter Henri IV, il faut avoir une très bonne santé et une sacrée libido, je vous explique. En fait, on dit qu'il croquait de l'ail tous les matins, afin, parce qu'il le pensait aphrodisiaque, de pouvoir honorer ses 73 maîtresses officielles. Mais surtout, du coup, on disait à la cour qu'il était capable de terrasser un bœuf à 20 pas simplement avec son haleine.